Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Rafa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur Ark Survival Evolved. Alors comme vous voyez, j'ai fait l'enclos et je suis assez fier pour être bien honnête. Je suis assez fier d'avoir fini cet enclos parce que tout simplement ça m'a pris énormément de temps quand même. Bon, alors j'aurais pu allonger l'enclos un peu plus haut. Mais pour être bien honnête, ça me tentait pas parce qu'il faudrait fallait faire plein de murs et tout ça. Non, ça, il y a plus de murs parce que ça aurait pris plus de temps. Je trouve que c'est quand même assez grand en plus que je suis pas une personne qui adopte énormément de dinos. Juste eux qui sont super utiles, je les adopte. Alors, c'est pour ça que j'en ai pas fait un aussi gros que certains let's play d'autres youtubeurs. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va être prévu au prévu? Ça va être tout simplement d'aller en fait adopter un Argentavis. Alors comme vous voyez, je suis niveau 60 et niveau 62, on a tout simplement on a la selle d'Argentavis. Alors ça me tentait absolument d'aller en adopter un. Alors pour aller adopter un Argentavis, il nous faudra des flèches tranquillisantes, beaucoup de flèches tranquillisantes, des narcotiques et de la viande. Je sais où aller en chercher et c'est pas si près du volcan que ça. Alors je suis assez confiant pour être bien honnête. Ouais. Alors on va prendre la viande. Pas sûr que je vais pouvoir. Je crois que comme ça devrait être correct. Niveau de la viande, ça devrait être correct. Niveau du poids, il faudrait que je me vide sûrement. Je vais peut-être enlever. Ouais, je suis trop lourd. Alors, je vais aller enlever quelques petites affaires. Pas la torche parce que c'est près de la zone des neiges et peut-être j'ai avoir un peu froid. Alors, je vais prendre ça. 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 Plus ça pèse quand même assez lourd. On va tout enlever ça. Pour ça, je devrais être correct au niveau du poids, etc. Est-ce que j'ai pris des narcotiques? Non, j'ai pas pris de narcotiques. Alors il nous en faut pour aller en adopter. J'ai pris juste une arme. Je sais que j'ai pas d'arme de loin, mais bon, c'est pas grave. Je crois que ça devrait être correct quand même. On va essayer d'en prendre. Deux. Ah oui, aussi j'ai amené toutes les trucs les plus importants qui étaient à notre ancienne base, ce qui veut dire toute la peau, etc. Maintenant on est rendu à presque 2000 de peau, même je crois. Ouais, on est rendu à 2000 et même plus que 2000 de peau. Alors on est quand même assez bien, les amis. Et c'est ça. Alors on va aller voir. Si là on est trop lourd ou pas. On est encore trop lourd. On va peut-être sans narcotique, ça devrait suffire. Sûrement. Et si je suis encore trop lourd, on va essayer de jeter des outils comme la pioche, etc. Ça, j'ai quand même beaucoup. J'ai pas énormément. Ça va, c'est près de l'eau, alors peut-être qu'on pourrait jeter un bocal d'eau. Pourtant, j'ai pas de choses si lourdes que ça sur moi. J'ai de la viande. Là, ça passe-tu? On va encore. Non, par exemple, vas-y.
va se vider niveau la hache, peut-être. Parce que la hache va bientôt se péter, alors ça sert à rien d'en avoir une. De toute façon, on va pas en avoir besoin là-bas. Alors là, j'en ai jeté quand même deux trucs. Là, je comprends pas pourquoi je suis si lourd que ça. Parce que peut-être si on sépare des balles, il n'y a pas tant de trucs sur moi. Maintenant, j'en ai beaucoup moins. J'ai ça. Alors là, je comprends pas pourquoi on serait trop lourd. J'ai vraiment pas beaucoup de trucs sur moi. J'ai peut-être mon armure, mais mon armure va me protéger. Alors là, non, come on, je peux même pas. C'est quoi alors pour l'autre? Pourtant, j'ai rien de si lourd que moi sur moi. J'ai rien de si lourd sur moi. Il y a quoi sur lui? T'as rien, yo. T'as juste 20 trucs. T'as juste assez. Plus j'ai presque rien sur moi. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait enlever, les amis. J'ai presque rien. Plus il risque d'avoir des monstres, ben des dinosaures. Comme ça devrait être correct, non? En fait, je comprends pas pourquoi je suis trop lourd. Parce que j'ai presque rien sur moi. Oh bon, ok. On va y aller, on va quand même assez lentement, mais regarde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on va revenir, l'argent à vie, ça va quand même porter des affaires. Alors bon, mon autre... Il faut dire aussi que mon autre... Pteranodon est mort. Alors, je peux rien faire pour ça. Il faudra qu'on s'habitue avec lui qu'on a actuellement, qui peut pas prendre énormément de poids. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même s'habituer. On est déjà beaucoup plus proche. Je connais déjà cet endroit plus. Et ça va être tout devant la plaine où pointe mon pteranodon, où pointe la tête de mon pteranodon là. Ici, là, je bouge un peu la caméra pour que vous voyez. Là, c'est là tout simplement. Qui va avoir des argent d'abysse normalement. Quand j'ai vu sur le let's play d'autres youtubers. Il y a beaucoup de... là-bas aussi, il y a quand même un spot de fourrure. Alors peut-être qu'on pourra aller un peu chasser, mais l'objectif, ça va être vraiment... Ben, au pire, si il y a des loups à côté, on va être obligé de les tuer. Au pire, on peut pas les adopter tout de suite. Ben, au pire, on pourra se téléporter. S'il y a des loups, on va en profiter pour les adopter. Mais bon, c'est pas ça. On vient pas spécialement pour les loups. On vient pour l'argent à vis. S'il y aurait un mammouth, là, on pourrait le tuer pour sa fourrure. Mais l'objectif, c'est vraiment un argent à vis. Qu'est-ce qui serait vraiment bien, ce serait un argent à vis plus un loup. Mais là, pour l'instant, on va se contenter d'un argent à vis. De loin, j'en vois pas, mais normalement, il devrait en avoir. Là. Aucun argent à vis, sérieusement. Pourtant,
dans le let's play que j'ai vu, il y avait Mass Argentalis. Je suis vraiment pas qu'il y en ait pas. Tire en couille de mes explorations un peu plus loin de ma base. 100% on va se faire tuer les amis. Je sais pas, je le sens d'avance. Excusez, j'ai une voix assez basse là, mais j'essaie de me concentrer au maximum. Y'a rien. Même quand normalement ça devrait, il devrait même des fois avoir des T-Rex ici là. Là y'a rien, même pas un Argentavis. Shit. Je vois absolument rien. Même pas un. Ah bingo, bingo, bingo les amis. Un Argentavis. Droit devant nous. Je sais comment ça marche. Ça change les Argentavis. Parce que c'est pas comme ça que je les connais. Parce que... Il y en a beaucoup. Comment on fait pour en adopter un? Toi par exemple, tu vas pas les attaquer. Activé. Non, c'est pas ça. C'est un passif. Parce qu'il faut pas que tu les attaques. Parce qu'ils vont, nous attaquer, ça, sur moi. J'aimerais bien avoir lui. Il va mourir, mais bon. C'est pas grave, on va y aller. Yes? Comment ça ici en... Ok, ben yes, yes, yes les amis. Ok, en deux balles. En deux flèches. C'est quoi ça? Arrive près de mon Argentavis. Crime, mais tu manges ou pas? Ça me passe trop lentement. C'est un alpha, un allosaure alpha quand même. Hein. Ça, ça lui prend full de temps là. Les amis, ça prend vraiment trop de temps si j'ai pas de full temps à perdre avec ça. Alors, je vais mettre l'attaque des dinos au plus faible, comme ça, si l'allosaure vient vers nous, on pourra le tuer plus facilement parce que on a l'allosaure alpha là. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai là, mais avec mon niveau, je peux pas affronter des affaires comme ça. Les alphas, je trouve pas que ça devrait exister, pour être bien honnête, c'est ben trop fort là. Mais bon, alors dégâts des dinos, on va mettre ça à 0 et dégâts des joueurs. Dégâts des joueurs, on va mettre ça comme ça. Comme ça, c'est plus facile. Résistance, on s'en fout. Mais c'est pas ça. Là, vous pouvez voir mes paramètres. Là, tous mes paramètres que j'ai mis, pas de bananate.
besoin en d'énergie, en santé, besoin d'eau, besoin en nourriture des dinos, ben, provoque la faim plus rapidement. Ça va jouer crime, t'as pas vu comment ça prend du temps. Ben, comme ça, il va avoir faim plus rapidement. Et il pourra manger la bouffe. Alors là, vous allez me dire, ben là, Raphaël, ton pteranodon aussi va avoir faim. On a juste à tuer la losaure alpha tantôt. Non, on va pas essayer de le tuer parce que sinon, ça va nous donner masse niveau. Juste un carnot alpha, ça nous donne full niveau. Alors là, un allosaure, j'imagine même pas. Mais bon, c'est juste, excusez-moi les amis, j'avoue, je triche un peu avec les alphas, mais je trouve ça juste un peu chiant. Parce que notre autre qui qu'on Krat, je crois qu'il s'appelait, je me souviens plus, qui est full poids, ben il est mort à cause d'un raptor alpha là. J'ai pu le venger après là, mais ah bon, tu commences, ah bon, hein, tu commences à me... Ok, ben là t'as pas besoin d'autant de viande, je prends vous. Comme toi aussi, tu vas avoir faim bientôt là. Oh shit, ça passe trop rapidement. Ça va être rapidement, hein, c'est juste que... Il faut juste que je fasse attention, est-ce que j'ai froid ou pas. Est-ce que je baisse genre full vite là? En attendant les amis. Grand chose ici en réalité. Là, c'est... Ah, il y a des pierres de silice à côté. Shit, je passe full vite en... Putain, comme ça, j'ai des pierres de... des perles de silice. Je vais vite faire, hein, j'ai mis vraiment vite fait. Shit, je savais pas qu'il y avait autant de... fondeurs, si on peut dire ça. Et on va retourner à notre argent Davis. Ça, je vais prendre des pierres de silice, ça va être pas inutile plus tard. Là j'en ai ramassé plus que 100, alors c'est quand même assez bien. 141, ouais c'est bien ça. Let's go, un argent Davis. Je sais pas comment je vais l'appeler. Alors tant mieux, là il va nous... Oh, il est majestueux. Oh, il est magnifique. Il est vraiment beau les amis. Il fucking peur. Alors, je vais sauvegarder. Je vais quitter. J'ai enlevé la fin des poumons full vite là. On a un argent Davis les amis. C'est trop cool. J'adore les argent Davis. Genre un de mes dinos préférés, littéralement. Ça devrait être comme ça, comme les joueurs, genre environ. Ok, ben, on va remettre les paramètres depuis le début et je vais vous dire tous les paramètres que je mets, littéralement. Bon, alors ça, les dégâts des dinos et des joueurs, ben ça, c'est que si je rencontre des trucs alpha et tout, que je fais des que je les mets là, mais pour l'instant je les mets pas. Les gars de la récolte des dinos, non, montant de la récolte,
je mets ça, je dis ça en nom des joueurs, je fais ça comme ça, bah, c'est exactement comme ça que je m'en rappelle plus tard. L'énergie des dinos, ça va être comme ça il n'y a pas vraiment d'énergie possible. C'est de base, de santé, prévention de la santé, tout ça. Ça, je mets juste ça et afficher et c'est afficher la localisation du joueur comme ça sur la map, tu le vois, c'est juste formidable. On va, je vais faire ça. Je me demande si on augmente notre résistance, si la résistance au froid augmente. Parce que le froid, ça, pour la zone des neiges, qui va être très utile, ça va être très utile pour plus tard. J'aimerais ça me faire une base dans la zone des neiges aussi. Le seul défaut, c'est que t'as pas beaucoup d'armure à cause que t'as une armure en fourrure, malheureusement, là, c'est sûr, pas mal ça. Qui est pas mal ça. J'ai fucking peur. C'est full agressant, par exemple, le cri. Tant qu'on est. On va essayer de faire le plus vite possible, par exemple. J'ai pas mes affaires. Oh le con! Juste voir, il n'y a pas un loup. C'est des loups, ça? C'est bien des loups. Je vais remplir plutôt des loups. Ouais. Bon, ben, on sait qu'il y a des loups. C'est, ça, c'est bien. Par exemple, ça va être très, très utile pour plus tard. Grand V. Alors, à un moment donné, je vais arriver ici avec notre tenue de cuir qui est beaucoup plus, qui est bien meilleure. C'est quand même deux fois. On vient de tenter l'autre. Mais je le touche pas. Ok, on vient de tuer un autre pteranodon devant moi. C'est nice. J'adore ma vie. Ok. Shit, ok. On a un pteranodon. On vient encore de perdre un pteranodon. J'aurais dû m'attendre
à ce qu'on se fasse attaquer. Mais là, les amis, j'ai aucun moyen de transport. Aucun moyen de transport, les amis. Alors là, pour que ça aille plus vite, l'argent à vis, je vais me remettre les affaires. Et en même temps, là, je vais à côté pour celle d'argent à vis parce que. Sinon, on pourra pas revenir. Malheureusement, ça me fait. Je sais que moi, ça me fait. Résistance du joueur, je vais tester ça. Des valeurs élevées diminuent la résistance, augmente les dégâts. Ça, je vais mettre ça comme ça. Alors, j'ai plus de résistance normalement. Et vous êtes vite. Vitesse de besoin. On aurait sur le casino, je serai. Les chats. Arrête pas. Mes chats, arrête pas de faire des conneries depuis tantôt. Oh my god. Ils arrêtent pas de faire des conneries. Faire les fous dans la maison. Je suis en train encore de crever de froid. Oui. Œuf, code, non, c'est pas œuf, tabarouette. Est-ce que ça va marcher? Minute triche. GFI. Argent à vis. Je suis en train d'essayer de trouver les amis là, mais. Il fait chier quand il crie.
passe. Enfin, il ne faut pas baisser, putain de merde. Je vais aller revoir parce que là, la scène, je... la... Bah ça veut pas baisser tout simplement. J'ai bien modifié qu'est-ce qu'il fallait. Oh my god, j'ai mis dans le mauvais sens. Bon, tu sais que je te paie. J'ai bien tout mis le ministre. On va le faire. J'essaie de trouver le code pour me faire apparaître une selle d'argent Davis, mais je trouve pas aussi. Bingo, on l'a trouvé. Comment? Ah, bingo. Ah, bon, bingo. J'ai trouvé. Normalement, c'est ça. Give. Item. Num. Numéro est 204. Non. Attends, j'ai-tu bien écrit? Ah, attends, give. Item. Num. Celle d'argent Davis, yes, enfin. Bon, enfin un crime. Bon, ok, on va lui améliorer. Oh shit, on va pas y aller, hein. Il est bien niveau point en tout cas. Bon, ok, j'ai trouvé l'affaire. C'est une femelle? Yes, c'est une femelle et on a le mâle juste ici. Alors les amis, on va attendre au bord. C'est juste magnifique. Les autres, les anciens argent Davis, je les trouvais vraiment pas beaux. Mais ceux-là sont. Je les avais pas vus en fait. Parce que dans les anciennes mises à jour, ils étaient vraiment pas beaux. Mais là dans. Ils sont vraiment majestueux, ils sont vraiment beaux. Je vais juste me promener avec ça maintenant.
Je vais me dépêcher pour être bien honnête parce que ça me tente pas de me faire killer par n'importe quoi là. Bingo, j'ai mon arme à 5 plus. Là, c'est assez pour aujourd'hui. Et on s'en va. Et bon, niveau de, si on améliore aussi l'énergie. Niveau de la vitesse, ça va, c'est pas super bon, mais ça sert vraiment pour le poids et en plus l'énergie c'est super bien. Alors ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai bien mis le gamma au maximum parce que là je vois pas mal presque rien. En plus c'est assez solide comme affaire. Si on a un couple, c'est parfait. C'est parfait tout simplement. Pour être bien honnête, je mens. J'ai même pas pris la selle de Pteranodon. Bon, pour être bien honnête, je mens pas les couilles que mon Pteranodon a été tué. Le seul défaut, c'est qu'il était un de mes plus hauts niveaux. À part ça, je m'en fous. Là. Il était bon niveau poids. Niveau énergie, pas tant que ça. Il était un bon niveau juste poids. Mais là, on a un Argentavis, alors c'est pas le meilleur. Pour être bien honnête, je m'en balance. J'ai mes Argentavis et je suis vraiment bien content juste avec ça. Alors, ça vraiment, l'Argentavis va être vraiment très très utile. Je suis assez content. Faudra qu'on aille chasser des loups, on sait où aller en chasser en plus. Alors, comme les loups vont servir pour la peau, ils vont servir aussi parce que là par exemple, ça commence à crever de faim mes affaires là. Ben, pas crever là, mais. On va se déconnecter et on va remettre ça normalo, tranquillo. Et on va être bien, les amis. On va être très très bien. On va avoir fait l'objectif de la vidéo. Ce qui veut dire adopter une affaire. J'ai même pas pris le corps du loup. Je m'en suis battu les couilles. J'aurais pu avoir de la peau. C'est que je t'ai fait. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas ça du tout. C'est la vitesse de consommation. C'est bien zéro, mais on, tu sais, on met zéro, mais on en met non, sinon c'est de la triche. Je vais bientôt faire, je crois, mais ça, si vous voulez, ça va être un let's play qui va remplacer un peu l'autre que j'avais d'avant. On va vraiment mettre des stats, mais vraiment très cheaté, hein, vraiment très cheaté sa mère, et on va faire apparaître dès le début des bonnes armures, vraiment les meilleures armures qu'il peut avoir sur le jeu, les meilleures pompes, les meilleurs trucs. On va mettre nos les dégâts genre à 10 000, les dégâts des dinos 0, et là on va aller niquer des trucs. On pourra aller faire ça si vous voulez. C'est un truc que j'aimerais bien faire pour être bien honnête. Ah, on pourrait tester ça là. Ça serait vraiment juste une partie pour le fun. Là. Mettre gun mode, mettre des codes de triche par-ci par-là. Faire vraiment les cons quoi. Oh, j'étais sur mon volant là. Là, tu vois, mes volants ils disent quoi? Juste savoir, mes volants ils disent quoi là? Il y a eu ça, ouais. La nourriture ça descend plus, c'est normal. On va checker ça en arrivant. Là, pour l'instant, let's go vers la base. Fait un petit tour vers la zone des neiges. J'ai vu que ça buguait un peu. Bien sûr, on perd de la vie super rapidement, malheureusement. J'ai mis résistance du joueur. J'ai oublié de mettre résistance du joueur moins bas, là, mais bon, c'est pas grave. Le soleil se lève. Là, les pteranodons doivent se dire: oh putain de merde.
J'allais pas recrafter, mais refaire apparaître une selle d'argent d'abysse pour celui-ci. Comme ça, on pourra en avoir deux. Lui, il est plus haut niveau. Alors, on va équiper ça. On va leur laisser la bouffe. On va tout prendre, tout simplement, parce qu'ils ont une mangeoire. Lui, ça marche pas, la mangeoire dessus. Voilà, la mangeoire, c'est vraiment de la merde, en réalité. Ça n'a pas de bon sens, comment c'est de la merde, la mangeoire. Pour l'instant, on va mettre un plus poids et l'un plus énergie. Tac. On va améliorer tous les deux poids et énergie, je crois. Il y a 422 en poids. Lui, il a combien en poids? 424. Alors, lui, on va continuer le poids. Et lui, on va faire d'autres choses. Regarde, on s'en bat les couilles. Je vais faire un autre sel de pteranodon pour la prochaine fois. Mais là, pour l'instant, on a rempli notre objectif. On va se reprendre tout le stuff qu'on avait là. Parce que on n'a plus rien. On est plein. On veut ça. Regarde. Ça va faire du bien de pouvoir avoir toute notre stuff sur un oiseau. Et voilà. Alors, on va s'occuper de nos armes. Alors, bien sûr, ça comme ça. Ça. On remplace par ça. J'ai oublié une gourde d'eau. Que je sais pas où j'ai mis. Où j'ai mis ma gourde d'eau. J'ai mis plein de trucs là. Mais je suis vraiment con, moi. C'est là-dedans que j'avais tout mis. Je suis con. Ok, bon ben. Nice. On va mettre ça à la place. Ça, ouais, ça, j'ai tout pris. À part ça. Bien sûr, j'ai moins de trucs. Ok, ben, on a replacé notre stuff. Il faut juste qu'on place, ouais, ça. Ça va faire comme ça, ça. Tant qu'ils sont sur nous. Une fibre. J'ai presque jamais eu ça, je crois. Une fibre. Alors ça, ouais, ça on va mettre ça là-dedans. Ça on va prendre, ça aussi on va prendre. Ça c'est des affaires pour vite. On met tout ça là-dedans. On a quand même récupéré 141 de pierres de silice. Ça va être très utile ça par exemple. C'est mon spot de silice préféré, de perles de silice préféré. C'est avec ça que j'ai... Là-bas que j'ai pris assez de pierres de silice pour tout simplement faire ça. Alors là, normalement, on a tout notre stuff. Il faut juste qu'on range un peu. Notre bouffe. Et voilà, on a eu toutes nos affaires. Ça, on va... On met ça là-dedans. Alors, les amis, on va faire un petit tour de d'argent à vis. Ok, lui, il y a la huppe rouge. Lui, il est tout blanc. Regardez, j'ai mon stuff habituel. Un pteranodon serait genre plein et lui il a à peine de poids, comme pour lui c'est normal de porter comme pour lui. C'est juste formidable. Il se gagne beaucoup d'énergie, c'est formidable tout simplement. C'est juste cool, trop cool. Alors les amis, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. En ce cas, bon, alors
Je suis assez content parce que, regarde, l'Argentavis qui est mon oiseau préféré et un de mes dinosaures préférés dans tout le jeu Ark. Alors moi je suis assez content de cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi. Si vous l'avez aimé autant que moi et si vous aimez ce let's play, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner surtout. Ça me ferait extrêmement plaisir et c'est gratuit. Juste à cliquer sur le bouton rouge en bas. Et c'est fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle, pour la suite de notre aventure sur Ark Survival Evolved. Ciao tout le monde. Peace.